Et salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Undawn. Alors dans les épisodes précédents, on avait combattu les Hoodlum Dolls, les Misconducts, et puis donc pour ce nouveau live sur Twitch que je remettrai en rediffusion sur YouTube, on va s'attaquer aux Heatseekers. Donc on est dans un complexe industriel, on est sorti des souterrains. Ok, on est toujours avec Moman en mode, en difficulté normale, standard, je ne sais plus quel était le terme. On avait 4 niveaux et donc là on est en normal. Allez, bah c'est parti, Heatseekers, go. Well done. It wasn't your cleanest mission. They had to shut down large sections of the subway system. Our expression reading module says you should be happy with the execution, Miss Rose. I am smiling. As projected, the gang's morale has declined, and they are now vulnerable enough for the less than competent law enforcement to clean up your little mess. Unfortunately, your recent activities have caused the Heatseekers to be a bit restless. They run operations along the outskirts of the industrial sector, mostly arms trafficking and hijacking transports. I think this may be the perfect time to pay them a little visit and put them out of business permanently. We cannot disagree, Miss Rose. Their leader goes by the moniker Ringo Road Rage. I want him neutralized. I'm transferring bounties scattered in the area for you now. Downloading coordinates. They're using the highways to smuggle heavy weapons through the city. Start there. Confirmed. Miss Rose's way or the highway. Allez, bah on est parti. Donc on avait mis sur les gangs précédents, on avait mis environ 1h15 pour les terminer, 1h15, 1h20. La difficulté avait quand même été assez croissante sur le deuxième gang avec les Misconducts. Donc là, j'imagine que ça va aller encore crescendo. Alors on aura Dean Dandy, Suki de Sniper, d'accord, The Overseer, Sonny Rooster, et enfin Ringo Road Rage. Voilà les 5 boss ou 5 primes qu'on devra obtenir pour terminer ce gang. Alors apparemment, ils détournent pas mal de véhicules, donc on aura peut-être pas mal de motos qui vont nous foncer dessus. Donc Dean Dandy, lieu autoroute, crime, homicide routier, voilà, vol de voiture, excès de vitesse. Un voleur sur roue, chauve, il n'a pas l'air chauve sur la photo, qui généralement écorche le bitume avec sa moto volante en cherchant les embrouilles. Il a 2 vitesses, courir et flinguer. Ok, bon allez, bah c'est parti. Ok, alors nous voilà, je voudrais juste regarder quelque chose au niveau des options. On n'a pas de sous-titres. Ok. Il semblait qu'on avait des sous-titres. Ouverture auto désactivée, mouvement de caméra. Sous-titres, voilà, on va les activer, ça sera mieux pour les petites cinématiques de début. Retour. Allez, bah on est parti. Ouais. That's
Ouais, d'accord. Ça commence fort, j'ai envie de dire. On va nous amener un peu de vie. Ah, on a des nouvelles armes. Carabine d'assaut. Il va falloir que je me refasse un petit peu aux commandes. Allez. Ouais, ok, bon. Voilà, là, ça va déjà beaucoup mieux. Oula. Dans les armes au corps à corps, je me suis pas encore trop attardé dessus, mais je pense que ça vaut peut-être le coup, hein, vu qu'on en a quand même pas mal qui pop. D'accord. Ah, les couteaux sont toujours aussi puissants, hein, même dans ces niveaux-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Charge de C4. On va voir comment ça fonctionne. Ah ok, ça c'est pas mal. Allez, bon, on va essayer. Ouais, non, là j'ai vraiment rush pour essayer de récupérer la valise, mais on va laisser tomber pour ce premier run, je pense. Oula, attention à l'explosion. On va essayer plutôt de terminer le jeu sans trop s'attarder sur les primes pour ce premier run. Il y en a une ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? On n'a plus de balles, ouais, donc on va prendre le lance-roquette. Ok. Oh flûte, je croyais qu'il était. Il était down.
Ça c'est fait. Par contre, je vais m'en débarrasser. Bien sûr, les couteaux sont bien trop utiles. Allez, la mitrailleuse. Ah, flûte. Jusqu'à nous, lui. Ah ouais, il y a des motos qui tirent en plus. Ah là là. Espérons qu'on ait de la vie. Ouais, on en a, mais pas grand chose. Ah, j'ai vraiment foiré là, j'ai été surpris par la l'histoire de la moto qui peut tirer. Il y a quelque chose ici. Ok, une prime. Espérons qu'on ait bientôt une zone de checkpoint. Ah bah c'est le boss. Din Dandy. Alors, Din Dandy, qu'est-ce que ça va donner? Ok. Alors par contre, on n'aura pas des balles infinies et là... prend quand même pas beaucoup de dégâts, hein, j'ai l'impression. Ah ouais, ok. Ça c'est nouveau. On va essayer de garder le comment ça s'appelle, le bazooka pour la fin. Alors maintenant par contre, flûte. Ouais, il est quand même assez chaud. Faut bien le reconnaître. Peut-être essayer dès maintenant. Voilà. Parce que là, peut-être que ça se détruit au fur et à mesure le sol des rochers qui fait tomber. Et du coup,
Autant l'abîmer un maximum dès le début. Voilà. Ah, flûte. Par contre, ça c'est pas bon parce qu'on a perdu du coup la mitraillette, hein, étant donné que la plateforme s'est pétée. Ouais, je pense que là, ouais, on doit être trop lent pour le tuer. Flûte. Ouais, bah on va prendre du coup ça tout de suite. Hop. Ouais, il va pas falloir lui laisser de répit entre guillemets. On n'a plus que les petites balles. On a encore nos couteaux de lancer. On va compter là-dessus parce que là, ça commence à nouveau à être chaud. Flûte. Ah, et alors ça nous compte double dégâts en plus, hein, dans ces cas-là. Ah, mais là, je vois pas comment éviter le truc en fait. Ça commence déjà assez fort là pour le premier. Flûte. Ah là 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 là. Ouais, mais alors là, il n'y a pas grand chose à faire. Bon, ok. On se reprend, Benusco. Ouais, et là c'est toujours le début de la fin. Ouais, dommage. Lent pour lui faire du dégât, mais en même temps j'ai pas beaucoup d'options pour faire autrement. Flûte. Ah là là là, c'est foutu.
Ah là là, non. Bon, autant recommencer tout de suite. Ah, dommage. Gaspiller une roquette. Ah là, c'est toujours là, voilà, où je foire, on va dire. Pour rester poli. Ah là là. Eh, c'est foutu. Ah dommage, il restait plus rien encore une fois. Ok, ah flûte. C'est bon, on l'a eu. Bounty collected. Ouais, alors entrer en matière quand même assez chaude là avec les Hitseekers. Le boss était assez compliqué. Alors on passe sur le second. Suki, The Sniper. Alors, un lieu chantier de construction. Crime, meurtre, contrebande d'armes, trafic d'armes. Un expert en contrebande et un assassin de sang-froid. Elle est pleine de ressources. Lorsqu'il s'agit de trouver des failles pour faire passer des armes entre les secteurs, elle les utilise sans pitié sur ceux qu'elle veut tuer. Allez, ben c'est parti. Ah ouais, on va avoir de la plateforme mouvante. Dieu merci, elle se décroche pas lorsqu'on monte dessus. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce beans là ? Ok. Est-ce qu'on pourra se cacher là-dedans ? Non, j'ai pas l'impression. On a des toilettes de chantier. Oh là là, qu'est-ce que c'est qui m'a fait un tel dégât là, c'est du snipe. Ah ouais. Ah, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. You
Donc ouais, c'est clair que là, la difficulté quand même, elle a monté d'un cran. Ah ouais, ça met du feu en plus. Why not? Bon, alors il a laissé un snipe. Ça va permettre de l'utiliser. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, punaise. Ok. Bon, ouais, c'est l'avantage, c'est du one shot. Bon, je suis pas super fan. Ah là là. Ah ouais, pourquoi je suis resté dedans? Faut bien que je pense que ça nous vient dessus, hein. Fusil à pompe. Qu'est-ce que c'est que ça? Grenade à fragmentation. On va tester. Missile guidé maintenant, ok. Attention. Non, ouais. Où est-ce qu'il faut aller là? D'accord. Ah, c'est vrai qu'elles font quand même le taf là, les grenades à fragmentation. Ah, je l'avais entendu lui, hein. Je pense qu'on viendra reprendre le fusil d'assaut. Oh, attention à lui. Oh là 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 là, oh là 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 là. C'est pas bon ça. Bon, on a le choix entre pas mal d'armes là, mais c'est vrai que la difficulté a vraiment augmenté d'un coup encore, hein. D'un coup, d'un cran, je ne sais pas comment dire. Il nous reste 3 balles. Ouais, non, la sulfateuse, par contre, c'est pas un truc que je... Non, bon vieux 50. Ouais, si, c'est pas mal, ça. On va attendre que le feu parte. Voilà, on va repasser par le haut. Carabine d'assaut. Oh, flûte. Ah ouais, mais ça nous revient dessus. Oh là là. Ça nous revient dessus. Ok, envoie, je descends. Alors, je sais pas bien comment je l'ai évité. On a du monde en bas.
J'ai bien envie de me les faire, flûte. Ah ouais, là ça nous one shot hein, quand on tombe dans un dans une crevasse. On n'a pas de deuxième chance. Voilà, il tire son truc. Est-ce que ça vaut le coup de passer là-dessus? J'ai l'impression que je... Ouais, je suis pas sûr. Oh non! Bon, là, déjà, je peux vous dire qu'on mettra plus des 1h15 que l'on a mis pour les deux premiers gangs. Ah ouais. Et ça va me rester dessus pendant combien de temps en fait le truc là? Ok. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors. Holy smoke. Il y a sans doute quelque chose d'intéressant en bas. Ok, bah c'est ça. Stash collected. J'espère qu'on n'aura pas trop d'enchaînement de ces plateformes ainsi. C'est bon. Oh là 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 là. Ça s'emballe, ça s'emballe. Ouais, là, j'ai du mal à comprendre comment les éviter, en fait, ces trucs-là. Ouais, oulala. Est-ce qu'il faut retourner chercher, du coup, la mallette? Oui. Attention lorsque ça va s'ouvrir ici. Ok, on reste calme. Ouais, oulala, là, c'est chaud là. C'est méga chaud. Et alors c'est surtout que j'ai pas de deuxième arme qui soit plus puissante. Ok, alors, que faire? Ah, j'allais dire, ça s'est mieux passé que la première fois. Mais c'est... Ouais. Pas si sûr que ça. C'est fait. Oh là là, j'ai pris le soin et je me suis repris une balle de snipe juste derrière. Ouais mais... Ah là là. Comment éviter tout ça? Alors je pense que la boss de fin là c'est un snipe. Et on risque de prendre ma foi assez cher. Ok, why not?
Oh là 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 là. Ouais. Ouh, je suis peut-être parti un peu tard. Non, c'est bon. C'est bon, ça c'est évité. On va le faire étape par étape. Par contre, c'est celui du dessus là que je voudrais essayer de tuer. Ah ouais, mais voilà. Ça déjà, ça nous permet de nous débarrasser d'un certain nombre d'ennemis assez rapidement. Ok, j'ai pris le soin. Alors attention au snipe. On puisse le faire depuis là, mais c'est pas dit que ça marche. Aïe, 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 aïe. Fusil à pompe, allez bon, on va le prendre, de toute manière on n'a rien d'autre. Allez là il me faudrait trouver de la vie rapidement. Ah, on est au boss. Ouais, c'est ça. Suki de sniper, donc c'est une, ouais, c'est une snipeuse. Ok, donc là on aura des soins. Forcément. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis où? Ok. Ah ok, elle a ça aussi elle. On va essayer avec ça. Pas beaucoup de dégâts quand même hein. Ça, j'ai du mal à. Il faut faire quoi? Il faut simplement bouger jusqu'à ce que ça vienne à exploser. Oh là là! Elle nous a touché, elle nous a fait du sacré dégât. Hein. Flûte! Oh, j'avais pas vu qu'on avait, que c'était des trous en bas là. Nous envoyer son truc, non? Allez, le missile. Ouais, mais alors ça, voilà, là je ne comprends pas comment faire pour les éviter ces trucs-là. Hein.
bandage and elevation is everything. Allez, le missile. Non, elle fait toujours le tour. Ah là 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 là. C'est bon, on s'en est débarrassé. Dix morts là, ouais, le niveau était quand même assez compliqué. Alors, ouais, alors donc on en a passé combien là? Seulement deux. Ouais, deux en 45 minutes. Donc effectivement, ça va être bien plus loin. Alors, The Overseer. Lieu, il est à la case, donc meurtre, homicide, routier, enlèvement. Un tueur impitoyable, les trafiquants d'humains, même les mecs des gangs ont peur de lui à cause du traitement inhumain qu'inflige le guetteur aux personnes autour de lui. Sa soif de dévastation ne peut pas être assouvie. Allez, c'est parti. Il est encore live, c'est bon. Ouais, les snipers, c'est assez chaud là. Les one shot, les missiles guidés. Ouais, y a une sulfateuse en plus derrière là. Fusil à pompe, bah écoutez, on va essayer de descendre, se le faire. C'est bon. Ouais, donc les grenades, sincèrement. Oh, une sulfateuse. Voilà, on a déjà plus beaucoup de vie. Qu'est-ce qu'il nous a laissé là? Ah, flûte! Il semble que c'était une sorte de grenade aveuglante ou quelque chose comme ça. Ouais, mon fusil à pompe, allez, je vais le prendre pour lui. Tu m'embêtes toi avec tes grenades là, tes missiles plutôt. Oh là 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 là, on prend cher, on prend cher. Ah, y en a qui est revenu en haut. Ah non non, là c'est chaud hein. Alors peut-être est-il préférable aussi de foncer hein, plutôt que d'y aller étape par étape comme je fais. Là, cette fois le fusil à pompe est en bas en plus.
On se le prend en pleine poire. Balancer ça au hasard. Ouais, la sylphateuse, allez, je vais quand même l'essayer, mais ce que j'aime pas, c'est le délai entre le moment où on appuie et puis où les balles commencent à sortir. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ok. Point de contrôle. Allez, toi tu dégages. Oula, faut se calmer les amis, hein. Descendre là. Allez, je vais prendre ça plutôt. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Est-ce que la voiture est détruite? Non, elle n'était pas. C'est de plus en plus chaud quand même. Hein. Il nous reste quoi, 12 balles. J'hésite avec la sulfateuse là. Bazooka. Lance-roquette, allez, bon, on le prend. Point de contrôle, bon, il y en avait besoin. Il est où lui en fait? Ok. Toi tu dégages. Ah, flûte. Ah non, c'est bon. La vie est pleine. Grenade à fragmentation, allez, on prend, c'est quand même assez OP. On a récupéré toute notre life.
En voilà une de faite. Alors, grenade à fragmentation. Allez, lance-roquette. Je le sens mal, là, le truc au-dessus. Je sais pas pourquoi. C'est bon. Ah, flûte. Oh là 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 là, il y a du monde, il y a du monde. Bon, je pense qu'on arrive au boss là. Ouais, quoique. Une petite prime à collecter. The Overseer. Ok, alors combien on a de niveau? 3. Ouais, ok. Bon, il va. Ouais, ça va pas être évident, ça non plus. Là, on remonte. Ok. On va mettre ça là. Ah, ici. Ah ouais, alors là, il y a masse de choses à regarder en même temps, les amis. Bon, là, je pense qu'il va revenir en haut. Flûte. Oh là là, je me fais exploser moi-même. Ouais, non, là c'est raté. Dommage, c'était bien parti. Et puis je suis parti en vrille sur la fin, on va dire. Ouais, ok. Ah, flûte. Je l'ai pas utilisé de la meilleure façon qui soit là. Les voitures ont commencé à être plus
abondantes. Oh là là. Allez. Ah, dommage. On l'a eu et on s'est tué en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a réussi. Ouf, il était chaud, hein. Ok, alors l'avant-dernier, Sonny Rooster. Info. Donc lui est à la raffinerie. Meurtre, homicide routier, agression et voie de fait. Ce piqué du moteur est un membre originel. Il échappe aux autorités et fait régner la terreur sur n'importe quelle route. Quand le coq fait cocorico, le crime s'exprime. Allez, bon, on va venir te rencontrer. Ok, bon, on aura les petits geysers là en plus. Ah oui, ben on n'a pas que ça. Toi, tu viens sans limite ou... D'accord. On va le toucher que dans le dos. Et il explose. Aïe 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 aïe, c'est reparti avec ça. Est-ce qu'il est dead? Ah, il est résistant l'autre avec sa sulfateuse là. Ça y est, ça c'est fait. Toi aussi. Flûte. Est-ce qu'on se prend la sulfateuse? C'était pas quelque chose là, non, on va peut-être pas se risquer. Ok, checkpoint. C4.
Hop là 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 là. Alors lui, je sais pas bien où il est. On va plutôt repasser par là, je vais reprendre une autre arme, hein. Il nous reste plus que 24 balles. Mitraillette, allez. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Ouais, je préfère ça parce que la mitraillette, ça fait quasiment rien. Ah là 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 là. Je vais me débarrasser du C4 parce que là je me plante trop de touches. J'étais au checkpoint et par contre du coup ouais, j'ai pas pu récupérer. Si on l'avait récupéré, bon vieux 50, ça c'est parfait. Il nous manque qu'un point de vie, mais c'est bon, on l'a récupéré. Ouais. Là je crains le pire. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il va falloir run. Ouais, ouais, ouais. Comment ça se passe là en fait? Est-ce qu'il faut essayer de le détruire? J'essaye, hein. On peut pas passer derrière, donc non, ouais, il faut foncer. En ayant ça aux fesses. Allez, go. D'accord. Pourquoi pas des geysers, juste pour simplifier un peu les choses. Ah, flûte, on arrivait vers la vie. Oh là là, j'ai mis trop de temps là-dessus. Allez. Ok. Flûte. C'est bon, c'est réussi. Est-ce qu'on est où là? Ça me tiendrait pas que ce soit le boss, hein. Après me trouver, ouais, voilà, c'est lui qui sort. Sonny Rooster. Punky Brewster. Il est pas content, on lui a pété sa guitare. Ah là là, j'aime pas le feu et les dots et tout. Ouais, ok. Ah là là, alors lui, ça va être chaud aussi. Hein. Ça risque d'être excessivement difficile, pour pas dire délicat. Ah là là.
Ah, flûte. Alors, comment il faut faire, là? Comment faire? Bon. En gros, je pense qu'il faut se mettre à l'abri. Ouais, il faudrait rester au-dessus pour tirer. Et bouger uniquement quand il nous envoie ses trucs. Là, je me mets en dessous. Je remonte. Je descends de l'autre côté à l'abri. Je remonte. Là, j'ai foiré, par exemple. Allez, go. Ça me semble un peu facile quand même là. Il a une deuxième barre de vie bien sûr. Qu'est-ce qu'il sait faire avec sa guitare là? On a plus que 33 balles, hein. What? Il est en 3 phases, lui. J'imagine qu'il va nous... Ouais, ok. Je voyais... Ah, purée. Ah, il est chaud. Ah là 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 là. Oh là là, dommage, on y était quasiment. Donc allez, on est reparti. Là, on descend se mettre à l'abri. Oh, flûte. Ouais, non, c'est à refaire. C'est à refaire. Hop, je me mets à l'abri. On remonte. Quand il est là, on canarde. Je me mets à l'abri. Voilà. Ah, flûte. Ah là 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 là. Bon, ça va nous permettre de nous entraîner, on va dire. Peut-être que la clé à molette serait quand même utile finalement, je ne sais pas. Ah, flûte. Ouais, mais alors là, les boules de feu. Alors, voyons voir. Oh non, c'est pas top du tout ce que j'ai fait là. Ouais, non, non, le cac, c'est à éviter. Allez. On descend. Destroy you!
flûte. Ah, j'ai pris encore beaucoup de dégâts hein, que j'aurais pu éviter. Ah là 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 là. Ah, il y a trop de choses. Finalement. Ah là 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 là. Ah c'est bon, on l'a eu. Ouais, pour éviter les boules de lave là qui sortent, c'est préférable d'être en haut en fait, comme ça on a le temps de les voir monter, alors que quand on est en bas on se les prend direct. Ouais, allez. Donc on est parti sur le dernier, Ringu Rodrage. Dernier boss hein, qui est toujours plus pimenté on va dire que les autres. Alors il est à l'entrepôt, massacre, trafic d'armes, homicide routier, complot. Le roi du commerce d'armes est personnellement responsable de l'armement de nombreux gangs avec les armes à technologie avancée. Sans Ringo, les piquets du moteur seront amputés d'un membre. What? Ouais, ça commence fort, là, ils sont hyper résistants, hein. Oh là là, on a ces saloperies. Pardon d'avoir été aussi grossier. Il est où? On est full. Est-ce qu'on tente le fusil? Allez. Oh là 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 là. Ouais, j'ai trop tendance à croire que les couteaux vont les one-shot encore maintenant. Mais c'est pas le cas. Ok. Ouais, le pont, ça va pas. Quoique, ah non. Target eliminated. Ouais, alors par contre, on peut. Lance-roquette, et bah voilà, il suffit de regarder un petit peu ce que l'on a autour de nous. Grenade. Fragmentation. Ça c'est fait. Sulfateuse 250, ouais.
Christ, it's a war zone out there. Regardez déjà ce qui se passe en bas. Ah, oh, flûte. Il est où lui? Ok, la moto. Bon, ça vaut le coup de passer en haut, on va tenter. Avec les tapis roulants inversés et les flammes. Ah là 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 là. Qu'est-ce que tu fais, Benusco? Ça va être toi à refaire. Ah, ils sont pas inversés justement, d'accord. Oh là 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 là, quel dommage. Mais j'ai l'impression qu'en fait ça ne brûle pas au sol là. Ouais, ça brûle pas. Bon vieux 50, ouais, ça c'est nickel. Ouais, le bon vieux 50 par contre il est pas du tout précis, hein. Ah là 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 là, la vie. Un petit checkpoint, ouais, nickel. Bon, on a une... on aurait potentiellement un truc à récupérer là-dessus, mais... je préfère le laisser plutôt que de faire un rip. Ah, c'est bon, on l'a eu. Comment est-ce qu'on peut monter là en haut? Ah, il faudra revenir. Alors, attention. Empathy module not responding. You need to pull yourself together. On a de la vie en bas. Bon, c'est vraiment pour voir ce que donne cette arme. Mortier portable. Ça laisse présager le meilleur pourtant. Bon, il va falloir repasser. Ouais, alors par contre lui on peut toujours pas lui faire de dégâts de face, hein, donc le mortier. Ah, il arrive dans le feu, ouais, c'est bon. Ah,
Warning, shoulder hydraulics damaged. Ouais, le mortier, je vais peut-être le laisser parce que j'ai du mal à le jouer là. Et on a du snipe et tout. Alors, de la vie, est-ce qu'on aurait ça quelque part là ? Une valise. Grippin. Un petit checkpoint ne serait pas de refus, nickel. Ah, je peux pas descendre, d'accord. Ah là 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 là. Ouais, je vais pas le prendre le... Le C4, hein, je le prends pas pour l'instant. Ok, je pensais qu'on avait peut-être moyen de monter. Bon, je pense qu'on l'a eu avec l'explosion. Lance-patate. Ah, ok. Ah bah on a bien fait de tenter quand même. Alors est-ce qu'on est au boss? C'est possible. Voilà, c'est la dernière caisse, prenons la route. Alors ça va être en mouvement. Y a un max d'armes, hein, donc je pense que le pire est à craindre. J'ai conservé ça, je sais pas si j'ai bien fait. Non, c'était pas top parce que là ça me fait des dégâts aussi. Et on a vraiment le choix des armes. Oh là là, qu'il est relou lui.
Ouais, je sais pas si j'avais bien fait de prendre ces, si j'ai bien fait de prendre cette arme là. Ah ouais. Comment ça se passe là? Ouais, ok. Bientôt devoir aller chercher une nouvelle arme. Ouais, comment ça s'évite ça par contre? Oh là là! Ouais, on peut quand même lui faire du dégât ainsi. Un peu de vie, ce serait cool. Il a une quatrième étape. Oh là 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 là, ça va être un enfer. Ah, il peut toucher en plus. Oh my god. Bon, ça nous remet là. Ce sera peut-être préférable de garder le bazooka pour la fin finalement. On va attendre qu'il ait shooté. Ah oui, il m'en restait une. J'ai pris quoi? La sulfateuse, c'est pas cool. Ouais, là ça va être chiant. On va attendre là parce que... Allez, une nouvelle arme. Ouais, ça fait pas des masses de dégâts ça. Flûte. Par contre, ce serait bien de récupérer un peu de life. Ouf, ouais. C'est là où je suis pas... Une nouvelle arme. Oh
Ah là là, ça va être chaud, on n'a plus qu'un droit à l'erreur. Donc là, lui, il faut l'esquiver, ainsi que les véhicules. Ah, il est fast en plus, hein. Ah, il est fast. Oh là là, quel dommage, j'ai même pas pu essayer une roquette sur lui. Bon, là, c'est plutôt simple. Là, ça serait vraiment trop long, hein. Je pensais peut-être faire ça pour essayer de d'économiser des armes, on va dire. Toujours deux voitures. C'est là où j'ai perdu pas mal de vie. Tout à l'heure. Flûte. Ah là 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 là. Là, attention. Allez, on a terminé cette partie-là. On va vite courir chercher une nouvelle arme. Et c'est là où c'est chaud. Alors on va prendre le... ça. Zone terminée, c'est bon, on l'a eu. Alors on a de plus en plus de phases sur les boss. Hein. Au départ on avait deux phases, ensuite trois, maintenant quatre. Et donc on se retrouve sur les number one suspect. Donc dernier gang du jeu. Après les Hitseekers. Voilà, bah écoutez, je vais couper le stream ici et puis... la vidéo YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi ce let's play avec moi sur les Hitseekers. Et puis on se retrouve bientôt en live ou en vidéo pour les number one suspects. Allez, à bientôt, salut.